Eh bien salut à tous, c'est Raph et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo détente sur Bioshock Infinite, donc toujours sur PC. Donc c'est la deuxième vidéo détente que je vous fais sur ce jeu. Donc la dernière c'était sur mon ancien PC, là ça va être sur le nouveau. Tu peux pas te taire pendant que je parle, hein? Monsieur, tu trouves ça normal toi? Décidément toujours aussi mal poli. Et donc voilà, donc cette fois bah, vous allez avoir du 1080p Full HD, je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo. Et on va continuer, donc on est toujours avec notre copine Elisabeth. Et on est parti, toujours des sacs. Okay. Allez, on rentre dans la zone. Donc j'ai même pas pu récupérer mes sauvegardes de ce jeu. Donc j'ai dû tout le recommencer sur mon nouveau PC, alors que je l'avais quand même pas mal avancé sur l'ancien. Mais bon là c'est... Donc ça je vous l'avais pas fait en vidéo, donc on va tout de suite continuer. Il vous a demandé de le trouver. Daisy Fitzroy. Elle est une grande héroïne, ou la pire des crapules, selon la personne qui en parle. Tant qu'elle okay. est dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas. Donc là ouais, on est encore quand même au début du jeu, on en est à peine à la moitié du jeu. Enfin je pense à peu près, parce que je l'ai pas encore fini ce jeu. Et en tout cas c'est un jeu que je surkiffe vraiment et je vous le conseille encore une fois. Illégalement, cherchons une deuxième entrée. Alors, trouve un moyen d'entrer à Finken. Ok, alors notre marqueur, il nous indique là-bas, et bon, on va y aller, tout simplement. Monsieur Elisabeth ? Eh bien. Donc, cette personne, je vais peut-être un petit peu plus vous parler du jeu que la dernière fois. Donc Elisabeth, c'est vrai qu'elle est, elle est quand même vachement utile, alors rien que là, vous pouvez voir qu'elle peut nous aider à ouvrir des portes, parce qu'elle sait crocheter, tout simplement. Pendant les gunfights, elle peut nous filer des munitions, qu'est-ce qu'elle peut nous filer d'autre ? De l'argent aussi. Donc elle est quand même vachement utile, en plus de ça on n'a pas besoin de la protéger, puisqu'elle ne peut pas se faire tuer, donc c'est loin d'être une grosse boulette. Ok, là c'est parti, gros gunfight. Oh tiens, tu prends ça dans ta tête. Putain, je crois que j'ai vraiment pas les armes appropriées, j'ai quoi en arme 2? Ah si, j'ai ça. Avec ça, ça va bien se passer, tu vas pas faire long feu bonhomme. Ça c'est fait. Oh, je vais reprendre l'autre truc. Eh, on va se planquer, ils sont beaucoup. Allez. Donc j'aime pas du tout par contre les attaques au corps à corps, c'est pour ça que vous allez voir que j'en fais vraiment jamais. Donc là j'ai bientôt plus de bouclier. Là vous voyez quand vous avez l'espèce de petit... Voilà ce petit truc jaune là, c'est... En fait c'est le bouclier qui se met ou qui s'enlève. Donc là vous voyez, là elle me fout des munitions, donc je fais F. Et bim, j'ai des munitions. Magnifique. Donc vous voyez qu'elle est quand même vachement utile cette jeune fille. Sur bonhomme, tiens, il est même pas mort. Ah, des fois ça suffit quand même un sort. Allez tac, santé plus. Ça m'a bien fait rire aussi quand je vois que quand on fouille les ennemis, ben certains ils ont du gâteau au chocolat sur eux, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc oui, alors vous devriez voir cette vidéo, et ben je serai absent. Donc en fait je viens juste d'être en vacances. Donc je pense que je vous la mettrai pour mercredi, de toute façon, cette vidéo. Et en fait, je suis absent toute la semaine, donc je pars dans le sud. D'ailleurs, je pars à Saint-Raphaël. Oui, c'est pareil que mon prénom. Donc c'est vers Sainte-Maxime, Saint-Tropez, tout ça. Donc si vous êtes de là-bas, bah, dites-le-moi dans les commentaires, ça me fera rire. Ok, tout là-dedans, genre j'ai fouillé tout ça et il y avait un ananas dedans. C'est nickel. Donc ouais, donc si vous êtes du coin là-bas, bah, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera marrer de voir que des gens... de là-bas qui me suivent, parce qu'il faut savoir que j'ai un petit peu de famille dans ce coin de la France. Allez, crochette-moi ça. Elle est blessée, j'ai même pas fait attention. Allez, on va continuer. Donc apparemment ce jeu vous a beaucoup plu la dernière fois que je vous avais fait une vidéo dessus. Donc bah, c'est pour ça que je renouvelle l'opération. Trouve un moyen d'entrer. Pourquoi faut passer par là? Attendez. Genre, fallait pas passer par là. Parce qu'en fait, ce moment-là, le jeu, je l'ai fait avec un pote. Et il y a plein de passages que je n'ai pas fait. Puisque bah, c'est lui qui les a fait, tout simplement. Bon, on va essayer de fouiller un petit peu ici. Donc c'est pour ça que je ne vais peut-être pas me souvenir de cet endroit. Tac. J pour lire. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Pas beaucoup de temps à accorder à ces histoires de prophéties.
vous pouvez me croire, la croyance est une simple commodité. Et le vieux Comstock a toujours quelque chose à dire. Mais comme n'importe quel commerçant, il doit troquer son produit contre des ressources terrestres. On ne construit pas une étable avec des chansonnettes, ça non. Il faut du bois de chez Fink, un marteau de chez Fink, et de la main d'œuvre de chez Fink pour manier le tout. Il a besoin de moi, ou il perdra tout. Ok. Donc il faut passer là, l'ascenseur était ici. Donc ça c'est bien pratique aussi, le petit truc qui vous marque votre chemin. Donc voilà, en tout cas sur PC, le jeu est vraiment très joli, je regrette vraiment pas de l'avoir pris sur PC. Ok. On va lire le petit voxophone. Mais je ne suis pas née d'hier. Ok, mais elle parle en même temps, du coup on va rien écouter. Bon, c'est pas grave. Sous ce toit. Ma mère. C'est elle qui m'a fait enfermer. Elisabeth. Je veux juste grosse révélation. Cette ville. Je vous en prie. Ok, et eh ben on va filer. Donc en fait, un petit peu avant, on lui a fait croire qu'on partait pour Paris. Parce que, bah, apparemment, elle rêve d'aller à Paris, vraiment. Du coup, on lui a fait croire qu'on partait pour Paris, alors qu'en fait, on allait rentrer chez nous à New York. Mais finalement, ça a foiré, et puis on est toujours bloqué ici. Mon nom est Jeremiah Fink, et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de... C'est pas vraiment une voix super... Enfin, qui met pas vraiment confiance. L'abeille, bien sûr. C'est vrai que les environnements sont juste super bien, c'est un mélange de... Parce qu'en fait la ville est vraiment super féerique, on se croirait limite au paradis. Et en fait c'est un petit peu glauque parce que c'est complètement sous dictature, c'est un régime très très raciste. Ils font vraiment des... Voilà, du racisme au niveau de des couleurs de peau. Et en fait c'est vraiment super bien fait parce que ça amène une ambiance assez glauque et c'est vraiment super bien mis en scène. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, mon associé, Monsieur Flambeau, sera là pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai aucune idée. Bizarrement, il a l'air ravi de vous rencontrer. Bah, pas moi. Vraiment pas. Bon allez, on peut sortir là. Wow. Il a une haute idée de lui-même. Ah oui, il doit se kiffer le mec pour faire construire une statue comme ça de lui. Ouais. Ouais, faut se kiffer à mon avis. Hein. Disons qu'il faut avoir un ego assez important, je pense. Bon, allez. Ça, c'est un petit peu un défaut. Je trouve des fois les passages en ascenseur sont un petit peu longs. Remarquez, ça met bien dans l'ambiance avec la petite musique. Waouh, Stargate SG1. Oh là. Allez, ça, c'est vraiment glauque, quand même. Ah, ça, c'est bien mis en scène. Regardez ça. Chaque étage, vous voyez les... C'est vraiment super bien fait, sans déconner. Ok. Bah écoute, c'est bien gentil. Donc allez, on va prendre tout ça. Merci, c'est cool. Canon à main. Ça, je dois pas l'avoir. Je l'ai jamais essayé. Ah si, je l'ai essayé. Bon, on va le prendre. Allez, ça changera un petit peu d'arme. En arme 2, j'ai ce truc là. Bah, je vais le garder parce que ça peut être utile. Mais monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur. Mais pourquoi? Désolé, mademoiselle. Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement. Est-ce que j'ai pas le... À monsieur Fink. Ok, c'est cool. Du coup, je vais reprendre ça parce que je pensais que j'allais pouvoir le corrompre avec mon super pouvoir. Mais même pas. Chez l'armurier ou on cherche du matériel dans l'horlogerie? Est-ce qu'on va directement à l'objectif ou est-ce qu'on se balade un petit peu? Ouais, on va se balader un petit peu. Bonjour monsieur. Ah, il y a toujours des petits trucs à récupérer. Ça, c'est quand même vachement bien. Attrapez pièces. Voilà, elle vous donne de l'argent aussi.
Et on va un petit peu avancer quand même. Ok. Allez, on va tout prendre. Alors, on va lire le petit truc. Ah, donc ça, c'est une femme de la Vox Populi, donc un petit peu le... les révolutionnaires, on peut dire, de cette ville. Allez, on va rentrer. Parce qu'après tout, les petits dialogues comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus marrant. Waouh! Oh! L'effet de feu est vachement bien fait. Ouais, dans ce passage-là, j'avais pas fait. Ah, un nouveau. Ah non, c'est un cristal. Enfin, un cristal. Cristal. Ouais, cristal. Ok, il y en a à récupérer. Il doit y avoir des petits trucs là. Non, même pas. Ok. Ils sont plutôt radins dans cette pièce, hein, je trouve. Tac. Où c'est qu'il faut qu'on continue? Qui? Le fondateur du. Ok, c'est en haut. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. J'ai même pas vu qu'il y avait un escalier qui continuait ici. Ah, vraiment, c'est super joli ici. Finalement, heureusement que j'ai perdu mes sauvegardes, j'aurais pu rater certains passages du jeu. Bonjour. Wow. Un effet joli. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tout saccagé. Ah, donc là il y a un crochet, donc je crois au bout de... ouais, c'est au bout de 5 crochets qu'on peut déverrouiller certaines portes. Vous entendez? Il y a quelqu'un en bas. Ok. Ok, ok, donc on va retourner en bas, je vais juste récupérer ce qu'il y a là-dedans. Ah, quelqu'un qui a l'air de pleurer en plus. T'inquiète pas, j'arrive. Mais comment elle a pu arriver là? Bonjour. Excusez-moi. Madame, désolé de vous déranger, je... Nous cherchons Monsieur Lin. Monsieur Chen Lin. Booker. Monsieur Lin, pas là. Lui, parti. Parti? Emmené. Unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez Améline. Où l'ont-ils emmené? Au club. Tout le monde emmené au club Bagatelle. Il est où, ce club? Madame, s'il vous plaît, où est le club? Booker, nous trouverons. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aidé Chen? Je trouve l'accent pas super bien fait, il faut dire. ça fait un petit peu l'accent cliché, Balderay, toi-même tu sais. Mais voilà, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on va aller chercher son pauvre mari qui s'est fait capturer. Ouais, c'est bien elle, en effet. Bon, partons à la recherche de son club Bagatelle. Allez, on quitte la zone, on va chercher le club Bagatelle. Puis on va tout défoncer. J'ai un petit peu rushé. Parce que mon but, c'est quand même de vous en montrer le plus possible. Allez, on est parti. Oh putain, ils sont sérieux là? Wouah! Je suis dans la teumère. Là, vaut mieux que je prenne ma grosse mitrailleuse. Tchaa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 a
C'est quand même pas l'idéal, mais il est marrant à utiliser. Ok, donc ici il y a une faille. C'est quoi cette faille? Oh, j'adore cette musique. J'ai jamais entendu cette chanson. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait jamais entendu. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait jamais entendu. Ok. Ouais, mais cette musique elle est énorme, c'est. Putain, j'ai perdu le titre. Elle était en plus dans Call of Duty Black Ops, premier du nom. Elle était dans plein de jeux de guerre. Elle de. Je sais pas si c'était pas la musique de Battlefield Vietnam aussi, je sais plus. Enfin, Bad Company de Vietnam. Bref, vous m'avez certainement compris. Et on va continuer. Je vais un petit peu aller droit au but. Pour vous en montrer le plus possible, quand même. Parce que c'est ça qui vous intéressait, apparemment. Et d'ailleurs, j'en profite également pour vous parler de la FAQ spéciale 20 000 abonnés, parce que vous me demandez beaucoup quand est-ce que je vais la faire. Putain, décidément, il y a des statues de lui de partout. Je vais reprendre ce truc. Ah ah ah, la blague de bof. Ok, faire fermer un petit peu sa bouche. Puis je vais prendre chargeur amélioré aussi. Sur ce truc, ça ira beaucoup mieux. Bon, allez. Vous voulez quoi, Phil? La révolte ouvrière grande, vous savez. Ok, donc là, je vais parler pendant qu'il parle parce que franchement, ça m'énerve de l'écouter. Là, en fait, c'est des failles que Elisabeth peut nous ouvrir. Donc, il nous suffit de faire un appui long sur F. Et là voilà, là on a des trousses de soins, donc ça peut être également des munitions, n'importe quoi. Et voilà, donc c'est plutôt cool également. Qu'est-ce qu'elle m'énerve sa voix? Lance-roquette? Oh! Je vais y prendre parce qu'à mon avis il doit y avoir quelque chose. Je vais y prendre à la place de ça. Tac. Ok, il faut passer par là. Bon, putain, oh, sa voix, elle m'énerve vraiment, mais c'est incroyable. Tiens, prends ça dans tes dents. Dans tes fesses, bonhomme. Donc les gunfights sont vraiment très, très bien réalisés, hein, également. Je sais pas si je vous en avais bien parlé dans la première vidéo détente. Mais ils sont vraiment très bien faits. Ouah, putain, je m'en suis pris un peu plein fouet là. Oh, des cristaux, merci. Putain, décidément, je rate tous mes sorts là. Je vais lui en mettre un autre, je vais lui mettre celui-là. Tiens, prends tous mes oiseaux dans ta tronche. Donc ça c'est bien parce que ça paralyse un petit peu les ennemis pendant un petit moment. En plus de ça, ça leur enlève pas mal de vie. Tac. Ok, il est où lui? Après vous voyez, en fait il ne la tue jamais parce qu'ils veulent la veulent... Enfin en gros, ils veulent la récupérer mais vivante. Et je pense que je vais reprendre... Attends, c'est quoi ça? Non, je vais prendre ça. Oh, sa voix, mais qu'est-ce qu'elle me saoule. Ça fait vraiment le mec prétentieux et tout. Tout ce que je déteste. Toi, tu vas mourir. Parce que moi aussi, j'ai ton sort de pigeon, là. Attendez, on va prendre le sort du poney. Allez. Merci, c'est cool. Ouah. Attendez, parce que là, il y a un autre ennemi. J'ai peut-être déjà essayé de l'avoir avant. Voilà. Ah, mais il y a même plein d'autres ennemis. Putain, zut, je l'ai encore raté. Allez, je vais attendre qu'il respawn. Il va être où?
Parce que lui, il se téléporte, il est vraiment vicieux. Et ces corbeaux qui sont là-bas, donc on dit il va venir par là. Allez, viens là, viens là, viens là. Tiens! Ça, c'est vraiment pratique, ça. Ça te fait monter en l'air. Je vais te monter en l'air, pédo. Ok. Putain, toi. Tant que les rémuches. Je vais reprendre le sort du démon. C'est de l'éken d'en haut là. Tac. C'est bon. Donc ça ouais, par contre c'est un truc que je trouve un petit peu dommage. Là vous voyez, elle vient juste de me proposer des cristaux. Et dès que le gunfight s'arrête, et ben je peux plus en prendre. Heureusement il y en a là. Donc c'est un petit peu dommage. Lance-grenade. Ouais non. Putain mais y'en a encore. Décidément ce gunfight il va. Ah ouais c'est juste la tourelle peut-être. Ok mais je la vois même pas. Elle est planquée derrière là. Tiens. Tac. Allez vite mes munitions. Merci. Espèce d'enfoiré. Putain je les trouve glauques quand même. C'est pas les plus difficiles à tuer loin de là mais... Ouais, je vais mettre tous mes sorts dans la tronche. Voilà. Mais c'est vrai que je les trouve particulièrement glauques quand même. Alors ça par contre ça se tue mais en 2-2. Voilà. Wow. C'est quoi qui me tire dessus? Je les vois pas. Oh putain ils sont là. Ok par contre les sorts ça a l'air de rien leur faire. Je m'en souvenais plus de ça. Eh bah ouais, Blaireau. Ok, je peux passer là. Mais comment? Je pense que ça va s'ouvrir par la suite. Putain, le mec se kiffe vraiment, regardez, il y a des statues de lui, mais de partout. Allez. Oui, je pense, oui. Tac, petit cristaux. Donc là, on est dans les loges, c'est magnifique. Allez, on va lire ça. Je t'ai pris pour un fou, mon cher frère, quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse s'échapper de trous sortis de nulle part. J'ai commencé à douter de ta santé mentale. Et puis, non seulement ces trucs ont fait ta fortune, mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie. Ok, ok. Bonjour, ça va? Tiens! Alors, fais-moi les malins, là! Fais-moi les malins! Oh, je vous ai poucav, quoi. Ok, donc il y a quand même vachement de... Chen-Lin, cellule numéro 9. J'ai besoin de ton aide pour cette serrure. Allez, vas-y, montre-moi tes talents. Des gens comme Fink. Vraiment ? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les... Ah, là c'est un petit peu plus long, d'habitude elle fait vraiment un clac. Et ça part tout de suite alors. Le cadenas, il est juste énorme. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien... Allez, là. En fait elle passe à travers, c'est ça la technique. Contre les gens comme moi. Et voilà. Allez, on va continuer un petit moment et puis après je pense qu'on va pas tarder de s'arrêter. Ok. Ok, 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 on se calme. Donc là on doit être dans des espèces de fours crématoires, je sais pas quoi. Mais à mon avis ces fours ils sont pas là pour cuire du roast beef. C'est un codex pour déchiffrer. Un message secret de la Vox Populi.
des codes secrets. Le code doit se trouver dans les parages. Le petit cristaux. Ok, un film. Ah, c'est dommage que ça fasse pas l'ombre dynamique. Ok, donc ça c'est l'homme qu'on doit récupérer, Menlin. Barba papa, vous êtes sérieux? J'ai mal lu, mais je crois bien que c'était écrit ça. Alors ça, vous voyez, c'est pareil, c'est pas le genre de truc qui inspire la confiance. On va continuer. Boum, dans tes fesses. Hein, je l'ai pas tué? Ah non, c'est qu'il y en avait un autre. Tac. Ah oui, oui, je veux ta pièce. Décidément, elle ne garde rien pour elle. Vraiment très, très généreuse, cette fille. Hein. Vraiment, chapeau. Hein. Chapeau l'artiste. Fermé. Elisabeth. Ça devrait être facile. Ok, c'est bon, elle va me crocheter ça. Je croyais qu'elle pouvait pas, en fait. Oh là là. Eh ben, ouais. Tac. Ouais, vous voyez, ça c'est une sorte d'ambiance un petit peu glauque parce qu'on se dit qu'à l'extérieur c'est vraiment le truc paradisiaque. Puis là on voit des hommes morts. C'est verrouillé. Restez sur vos gardes. On y est, c'est bien ça? Ouais, numéro 9. Numéro 9. Super. Super. Non, non. Oh là là. Je sais que Fitzroy a fait appel à vous, mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions et Wimp, pas de hyènes chez eux. Putain, dans le noir, je sais pas si vous allez voir grand chose. Attendez, c'est quoi ce délire là? Trouver la cellule de Shenlin. Ok, push. Peut-être une lumière. Ah. Ouais, lumière glauque quand même. Ok. Donc il est là. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, c'est ça. Ah, inspecter le corps, ok. Oh là là. Ah, c'est vraiment glauque quand même. Il y a quand même des sacrés coquards. Alors, eux, ils font flipper. Moi, je vois face. Moi, je vois pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comstock? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle? Mort. Écoutez. Et de cet angle? Vivant. Booker. Jenlin. Elle est où? Tout ça de... Plus de cadavres. Eux, ils me font vraiment flipper, sans déconner. Arrête, ça, c'est... C'est vraiment glauque. C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Ok. Si nous entrons dans cette faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêt? Ouais, t'inquiète. Ouvrez la faille. Alors on est parti sur le terre-terre. Stargate Jar! Wouhou! Regardez, il n'y a plus de sang. Et pas de corps. Tac. Prendre ça. Je pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia. On va prendre ça. Bon, bah écoutez, je sais pas si je vous spoil plus que ça. Parce que je vous ai déjà bien spoilé la gueule, enfin en même temps. Fallait vous y attendre. J'ai peut-être... Oui, désolé. Petite coupure. Alors. Putain, là, c'est vraiment... Ils sont vraiment carrément emprisonnés. Putain, regardez, en plus, c'est vraiment des enfoirés. Ils leur mettent genre un sandwich avec des frites, là, et eux, ils peuvent pas bouffer. Bon, écoutez, je sais pas si on continue plus, parce que d'un côté, j'ai envie de continuer avec vous. Mais d'un côté, j'ai pas non plus envie de trop vous en montrer. Parce qu'après, je sais un petit peu à peu près ce qui va arriver. Comme ça, sans que ça ait un impact sur le reste.
J'ai pas envie de trop vous en montrer, voilà, tout simplement. Je les ai tués. Ils étaient morts. Pas dans ce monde. Booker, leur nez. Ah ouais, c'est chelou. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se rappellent. Se rappellent quoi? Qu'ils sont morts. Voilà, bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Parce qu'après ça va trop partir en gunfight, donc on va s'arrêter sur un joli petit gunfight. Cette arme elle est vraiment énorme. Comme ça, ça va vous permettre de voir un petit peu. Ok, mais genre t'es pas mort toi. Tiens, bon écoutez, on va se dire à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, bon on se retrouve ce week-end je pense. Ou, ah bah non, peut-être pas. Enfin on verra, on se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo très vite. La prochaine, bah, ça sera sûrement la FAQ spéciale 20 000 abonnés, bah, qui sera disponible. Si elle ne l'est pas ce week-end, elle le sera, mercredi prochain, je pense. On verra bien dans tous les cas. Ok, toi, je t'ai même pas vu. Prends ça, bonhomme. Tac. Bon, écoutez, on va se dire à la prochaine. Allez, on va monter là-haut, on va finir sur un joli panorama. Voilà, au milieu de la maison du gars qui se surkiffe. Je vais faire pareil plus tard chez moi, je mettrai des photos de moi partout et tout. Vous allez voir, ça va être énorme. Bon allez, à la prochaine vidéo, ciao tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Bisous bisous.